Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Préfet du Var, Monsieur le Maire de Bormes-les-Mimosas, Madame et Messieurs les maires, les autorités civiles et militaires, Monsieur Pierre Welch, commando d'Afrique libérateur, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques et mémorielles, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis pour commémorer le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas par les commandos d'Afrique. Profitons à souhait de la présence de notre héros commando d'Afrique, Pierre Welch, acteur libérateur de la commune de Bormes-les-Mimosas le 17 août 1944, il y a 78 ans. Garde à vous! Attention pour les couleurs! Envoyé au drapeau. Appel des morts pour la France, messieurs Francis Alberti et Georges Dougou. Guerre 1914-1918. Michel Jules. Mort pour la France. Jovois Charles. Mort pour la France. Aniel Gustave. Mort pour la France. Berton Lucier. Mort pour la France. Roux Louis. Mort pour la France. Cotelier Alphonse. Mort pour la France. Raymonin Carman. Mort pour la France. Kennedy Joseph. Mort pour la France. Millier Jules. Mort pour la France. Augier Eugène. Mort pour la France. Fraisse Edouard. Mort pour la France. Sénéquier Victor. Mort pour la France. Cier Alexandre. Mort pour la France. Cézanna Victor. Mort pour la France. Christinelle Gaston. Mort pour la France. Montanard Alphonse. Mort pour la France. Ribeiro Eugène. Mort pour la France. Cézanna Joseph. Mort pour la France. Montanard Charles. Mort pour la France. Berenguier Florus. Mort pour la France. Folias Louis. Mort pour la France. Serra Raphaël. Mort pour la France. Gérard Gustave. Mort pour la France. Paul Marius. Mort pour la France. Amphosi Jean. Mort pour la France. Revest Joseph. Mort pour la France. Castagne Auguste. Mort pour la France. Le Cam Félix. Mort pour la France. Digne Kléber. Mort pour la France. Roux Lucien. Mort pour la France. Ricard Marius. Mort pour la France. Sénéquier Louis. Mort pour la France. Berlius Alphonse. Mort pour la France. Sauveur Fortuné. Mort pour la France. Bourbon Gabriel. Mort pour la France. Michel Bertin. Mort pour la France. Bouillet Louis. Mort pour la France. Gatu Victorin. Mort pour la France. Vidal Eugène. Mort pour la France. Colombo Marius. Mort pour la France. Monnier Alix. Mort pour la France. Rolfi Michel. Mort pour la France. Guirand Julien. Mort pour la France. Audibert Florius. Mort pour la France. Borragno Louis. Mort pour la France. Guerre 1939-1945. Charlois Philippe. Mort pour la France. Foléas Henri. Mort pour la France. Michel Charles. Mort pour la France. Sénéquier Félix. Mort pour la France. Tézenas Guy. Mort pour la France. Valente Dominique. Mort pour la France. Dépôt de gerbes.
GR de la présidence de la République, déposé par Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, accompagné de deux enfants du Conseil municipal des jeunes. GR de la municipalité de Bormes-les-Mimosas, déposé par M. François Arizi, maire de Bormes-les-Mimosas, accompagné de deux enfants du Conseil municipal des jeunes. Gerbe de la région Sud, déposé par M. François de Canson, vice-président de la région, accompagné d'un enfant du Conseil municipal des jeunes. Gerbe du conseil départemental, déposé par Madame Christine Amran, conseillère départementale et maire de Colobrières. Gerbe de la municipalité de Toulon, déposé par M. Hubert Falco, maire de Toulon et ancien ministre. Gerbe de la municipalité du Lavandou, déposé par M. Gilles Bernardi, maire du Lavandou. Et M. Roland Berger.
gerbe de la municipalité de Cuers, déposé par M. Bernard Moutet, maire de Cuers. Gerbe de l'amicale des anciens combattants et victimes de guerre du Lavandou, Bormes, le Réol et des commandos d'Afrique, déposée par le chef d'escadron Salin, président de l'amicale, François Bonin, président de l'amicale régimentaire des commandos d'Afrique, et M. Pierre Welch, commando d'Afrique libérateur. Gerbe de l'association varoise des anciens combattants et médaillés section de Bormes par messieurs Raymond Zeller et Jacques Couillandre. La flamme du souvenir français, déposée par M. Christian Barbier, président du comité local du souvenir français. Nous allons observer une minute de silence. Aux morts! Thank you.
propos. Allocution de Monsieur le maire de Bormes-les-Mimosas. Monsieur le Président de la République, Madame Brigitte Macron, merci de votre présence parmi nous régulièrement. Monsieur le Préfet du Var, Evans Richard, Son Excellence Leonardo Constantino, ambassadeur d'Argentine en France, Monsieur Hubert Falco, Président des maires du Var et maire de Toulon, les maires de notre intercommunalité, Madame Christine Amran, maire de Colobrière, Monsieur François de Canson, maire de la Londe-les-Maures et vice-président de la région, Monsieur Gilles Bernardi, maire du Lavandou, Monsieur Bernard Moutet, maire de Cuers, les maires extérieurs que je salue, notamment Madame Caroline Houssin-Salvétal, maire d'Avrier, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, pompiers, gendarmerie, police municipale, mon colonel, Mesdames et Messieurs les représentants des CCFF, de la SNSM, Monsieur Didier Olivier, président de l'association Mémoire Bombe 44 et toute son équipe, Messieurs les anciens combattants, Monsieur Pierre Welch, dernier survivant des commandos ayant libéré Bormes, Mesdames et Messieurs les élus, chers visiteurs présents sur notre commune et bien sûr, chères Borméennes et chers Borméens. Monsieur le Président de la République, vous le savez, c'est une grande joie de pouvoir vous accueillir à nouveau à Bormes-les-Mimosas pour cette cérémonie commémorant la libération de notre village le 17 août 1944. Lorsque j'ai pris la décision mardi de renvoyer cette manifestation à aujourd'hui, je n'étais pas sûr que vous puissiez vous libérer. Vous l'avez fait malgré la situation française. Et je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont souffert de ces inondations, de ces orages, et notamment aux familles qui ont perdu des êtres chers. L'an dernier, ici même, après une nuit et une journée éprouvantes dues aux gigantesques incendies qui ravageaient une partie du massif des Maures, j'avais émis l'espoir d'avoir l'immense plaisir de vous accueillir de nouveau en 2022. C'est chose faite grâce à votre brillante réélection pour un second mandat à la tête de l'État français. Je suis heureux et fier d'avoir œuvré à mon niveau dans le Var aux côtés de mon ami Hubert Falco afin de porter votre parole et vos projets. Bienvenue donc, Monsieur le Président de la République, pendant 5 ans à Bormes-les-Mimosas. Je profite de l'occasion pour vous dire quelques mots sur le fort de Brégançon, qui a semblé faire fantasmer de nombreux candidats pendant la campagne électorale, candidats qui ont tout dit à son sujet, beaucoup de contre-vérités, surtout par méconnaissance, car personne n'est venu le visiter. Il est pourtant ouvert au public par la volonté de votre prédécesseur, volonté que vous avez souhaité poursuivre avec votre épouse. Le fort de Brégançon est un ouvrage militaire qui n'a rien d'ostentatoire, qui n'est en rien un palais aux ornements extravagants. Par contre, il possède 3 richesses extraordinaires. La première est son histoire depuis plus de 15 siècles, au cours desquels des ouvrages fortifiés ou défensifs y sont construits. Il fait partie intégrante de l'histoire de France et de la Méditerranée. Nul doute, Monsieur le Président, que ce soir, en y retournant, vous aurez une pensée pour le capitaine Deleuze et ses commandos d'Afrique qui, au prix d'un énorme coup de bluff et d'un courage sans limite, ont amené la garnison de 80 hommes à se rendre le 17 août 1944. Des Ligures à la Reine Jeanne, des comtes d'Anjou à Napoléon, du débarquement de Provence jusqu'à nos présidents de la République, cette histoire se doit d'être préservée et transmise dans le giron de la République. Alors, lorsque j'ai entendu certains candidats souhaiter le transformer en je ne sais quoi, avec des idées plus farfelues les unes que les autres, je le dis au nom des Borméens et au nom de tous les Varois, respectez-nous, ne faites pas passer ce lieu pour ce qu'il n'est pas, surtout sans le connaître, et venez le visiter. La seconde richesse du fort est son exposition exceptionnelle avec une vue époustouflante à 360 degrés, dont les Français peuvent tous profiter en le visitant. La troisième et dernière est son calme, sa tranquillité et l'intimité qu'il procure à ses résidents du haut des 35 mètres d'altitude et son éperon rocheux. Ce calme vous est plus que nécessaire, Monsieur le Président, car je sais vos séjours les plus studieux. Les Borméens sont fiers que le fort de Brégançon soit une résidence présidentielle. Ils sont fiers de recevoir ces hôtes prestigieux. Il leur réserve un accueil de qualité, tout en simplicité, bien loin du bling-bling que certains imaginent, contrairement à ce qui peut être écrit sur certains journaux. Pour conclure, mais cette mise au point me tenait
à cœur. Vous connaissez notre humour en Provence. Je dirais quand même, je vais me faire gronder, qu'il ne manque plus qu'un petit terrain de pétanque au fort. Et la villégiature sera complète. Je les boule. Hein. Vous retrouverez l'histoire du fort et les séjours de nos présidents de la République dans notre musée à réalité augmentée qui ouvrira ses portes en octobre prochain. Il fera aussi la part belle au débarquement de Provence. Bien d'autres périodes ayant jalonné les 2400 ans d'histoire de Bormes seront aussi traitées dans ce futur musée, dont beaucoup de surprises et d'épisodes méconnus. L'un d'entre eux est la fantastique épopée d'Hippolyte Bouchard, corsaire et héros de l'indépendance de l'Argentine, qui explique la présence à nos côtés de M. l'ambassadeur. Je tiens aussi à remercier le commandant de la frégate Libertad, représenté par le commodore De Gagny. En effet, ce merveilleux voilier qui fait la fierté de la marine argentine a jeté l'ancre à Rade de Bormes le 12 août dernier. Elle a repris la mer mercredi après être venue spécialement en France rendre hommage à notre héros, aux Borméens et à notre président. J'ai eu la chance de pouvoir naviguer une matinée sur ce magnifique navire et croyez-moi, c'est une expérience et un honneur que je ne suis pas prêt d'oublier, surtout pour monter à bord. Merci aux autorités argentines pour ce lien si fort entretenu avec Bormes. Le 8 mai dernier, ici même, a eu lieu un événement très important pour le devoir de mémoire de la reconnaissance du débarquement de Provence. Sous votre proposition, Monsieur le Président, notre dernier commando d'Afrique, notre héros, Pierre Welch, a reçu la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Ce fut une cérémonie empreinte d'émotion qui a honoré Pierre, mais au-delà, les communes sur lesquelles il a combattu. Cet hommage à Pierre était aussi destiné à ses frères d'armes, l'ensemble des commandos d'Afrique et des troupes du débarquement de Provence. Il a été d'ailleurs complété par un film d'une cinquantaine de minutes réalisé par Philippe Natalini et Provence 44 Productions. Il relate le parcours de Pierre entre son débarquement et la prise du Coudon à Toulon. Sa projection a suscité beaucoup d'émotions. Merci, merci à tous d'apporter votre pierre à l'édifice de ce devoir de mémoire et de reconnaissance du débarquement de Provence. Mais la plus grosse pierre est apportée par vous-même, Monsieur le Président, présent pour la 5e année consécutive à nos côtés pour honorer nos libérateurs et leur signifier l'importance qu'ils ont eue dans la reconquête de notre mère patrie. Je le dis régulièrement lors de mes interventions du 17 août, mais il ne faut jamais oublier que si le débarquement de Normandie a été le premier débarquement en France, très peu de Français ont débarqué. A contrario, le débarquement de Provence fut celui des Français. En effet, sur les 320 000 hommes mobilisés, 260 000 étaient Français de métropole et d'outre-mer. Les Français sont aussi présents au sein du commandement, partagé entre le général américain Alexander Patch et le général français Jean Delattre de Tassigny. Si l'histoire a peu retenu le débarquement de Provence, malgré l'importance des moyens militaires déployés, c'est qu'en réalité, il s'est mieux passé que prévu, et la hargne des troupes françaises à vouloir reconquérir le territoire national leur a donné une ardeur hors du commun. Si ce débarquement a pu avoir lieu sur nos côtes, nous le devons une fois encore à l'un de vos prédécesseurs. Je veux bien entendu parler du général de Gaulle. Les Alliés sont en Italie et la stratégie de reconquête de l'Europe se dessine. Cette opération aurait dû s'appeler Anvil, mais le nom a été changé en Dragoon par Winston Churchill, après y avoir été contraint. En effet, Churchill aurait préféré que les armées déployées sur le front d'Italie fassent une percée vers les Balkans afin de prendre en tenaille l'armée allemande en Europe centrale. Une fois de plus, il s'oppose au général de Gaulle qui menace de retirer ses troupes du front italien si le débarquement ne se fait pas en Provence, avec comme objectif de libérer Toulon, puis Marseille, de remonter le Rhône jusqu'à effectuer la jonction avec les forces de l'opération Overlord débarquées en Normandie. Le général de Gaulle a eu gain de cause et nous avons été libérés le 17 août 1944. Cette année, c'est avec deux jours de retard, ce sera le 19. Après avoir reconquis le Réole Canadel, le Lavandou et l'ensemble de la commune de Bormes-les-Mimosas, les hommes de la force Roméo, les commandos du colonel Bouvet, ont continué leur inexorable avancée. Ils retrouvent les soldats américains et délivrent la Londe. Puis, ce sont les très durs combats face au blocos de Mauvanne et au Coudon. Bormes est libérée, la Provence est libérée,
et bientôt l'ensemble du territoire national. Mais si cet épisode guerrier est alors derrière les Français, un autre tout aussi important s'ouvre, celui de la reconstruction et de la paix durable. La paix durable, ce sont nos dirigeants, et notamment le général de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer, qui ont su la construire au travers de la création de ce qui allait devenir l'Union européenne. Alors je le dis aujourd'hui, à ceux qui auraient des velléités pour en sortir, mieux vaut une union parfois imparfaite qu'un risque de guerre fréquent. L'exemple ukrainien nous montre, ou plutôt nous rappelle, ce qu'est un pays ravagé par un conflit armé. La reconstruction a vu le peuple français se retrousser les manches et faire preuve de solidarité. La vie se devait d'être la plus forte et de repartir. Ici, à Bormes, les plages et les blocos devaient être déminés. Il fallait penser à nourrir les populations qui avaient faim depuis des années. Les bâtiments détruits ainsi que les infrastructures devaient être reconstruits. L'agriculture, la pêche, le commerce, l'artisanat doivent retrouver leur activité d'avant-guerre. Beaucoup ont tout perdu. Ce sont des vies entières à reconstruire. Pour d'autres, c'est pire encore. Soldats, civils, résistants, cette guerre aura pris de trop nombreuses vies qu'elle ne rendra jamais. Le peuple français a fait corps, a fait front, a œuvré sans se plaindre, a rebâti son pays. Ceux qui se plaignent de tout, alors qu'il ne leur manque pas grand-chose, devraient s'en souvenir aujourd'hui. Certains de nos parlementaires devraient également réfléchir avant de donner le piètre exemple dont nous sommes spectateurs. Certes, la période actuelle est difficile. La pandémie menace toujours. La guerre en Ukraine, les tensions à Taïwan, entre autres, redistribuent les cartes du jeu politique international. Les approvisionnements en énergie ne sont plus garantis. La pénurie menace certains produits. L'inflation est là, sans oublier les problématiques communautaristes, fondamentalistes et terroristes. Tout cela devrait pousser les Français à beaucoup plus réfléchir que revendiquer, à faire preuve de solidarité plutôt que de montrer son voisin du doigt, à mettre plus d'ardeur à la tâche, de préférence à attendre tout de l'État-providence. Malheureusement, une partie de nos concitoyens est appâtée par quelques politiques qui promettent tout sans le moindre effort ni la moindre contrepartie. Mais c'est si facile de promettre lorsque l'on n'est pas aux responsabilités. À notre niveau, nous, maires, le constatons tous les jours dans nos communes. Je le rappelais lors de la cérémonie du 14 juillet dernier, ici même. Un politicien pense à la prochaine élection, alors que l'homme d'État pense à la prochaine génération. C'est dire toute l'importance de cérémonies comme celle d'aujourd'hui. D'un côté, le devoir de mémoire et la reconnaissance que nous devons à l'abnégation, au courage et au sacrifice de nos libérateurs. De l'autre, l'exemple qu'il nous montre d'avoir été tous unis, solidaires, chacun faisant sa part, donnant jusqu'à leur vie à l'œuvre commune plutôt que d'attendre de recevoir de la collectivité. Et ce, quelles que soient leurs origines, leur niveau social, leur religion, leur couleur de peau, tous tendus vers le même objectif. C'est de cela dont nous devons nous souvenir, afin de traverser les péripéties qui nous attendent, de cet exemple illustré par nos anciens. Regardez bien Pierre, il est le témoignage vivant de ce que la France a de plus grand, a de plus beau. Conservons cette image, conservons son image, conservons son ardeur toujours intacte à plus de 96 ans, afin de faire perdurer le souvenir des actions héroïques qu'il a accomplies en compagnie de ses compagnons d'armes. Vive nos libérateurs, vive Bormes les Mimosas, vive la République et vive notre belle France. Merci. Allocution de Monsieur le Président de la République. Monsieur le maire, merci pour votre accueil et pour vos mots. Monsieur le maire, représentant le conseil régional, maire de la Londe des Morts, monsieur, madame la maire, représentante le président du conseil départemental, madame la maire de Colombrières, monsieur le maire de Toulon, président de l'association des maires, cher Hubert, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet,
Monsieur l'ambassadeur d'Argentine en France, mon colonel, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Il est des rendez-vous, presque des rituels, qu'on ne manquerait pour rien au monde. Pour vous, pour moi, les commémorations du 17 août à Bormes-les-Mimosas sont de ces moments-là, monsieur le maire. Vous l'avez parfaitement dit. Même quand les intempéries s'en mêlent et même quand le 17 devient le 19. Vous savez combien nous tenons à cette présence, à vos côtés, et combien, en effet, depuis 5 ans, je tiens chaque année à célébrer ce fameux débarquement de Provence dont vous avez parfaitement rappelé l'unicité, l'importance et la fierté qui en découle. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en voisin fidèle, 5 années après notre première cérémonie ensemble pour fêter avec vous la libération de la commune. Merci donc pour cet accueil chaleureux, pour vos mots à l'instant et votre engagement. Un grand merci aussi aux associations d'anciens combattants de mémoire pour votre travail, qui prend sa pleine lumière en ce jour, mais que vous accomplissez tout au long de l'année, dans cet effort constant qui permet le passage du témoin de l'histoire à nos enfants, à notre jeunesse. J'ai essayé durant ces dernières années d'être à vos côtés quand il fallait démêler quelques affaires. Je continuerai de l'être dans les années qui viennent. Vous savez pouvoir compter sur moi. Et merci à vous, monsieur l'ambassadeur d'Argentine, d'être parmi nous aujourd'hui. Vous incarnez par votre présence cette fraternité des peuples dans la conquête de leur liberté. Il y a un peu plus de 2 siècles déjà, un Borméen, que monsieur le maire vient d'évoquer, Hippolyte Bouchard, n'est-il pas devenu l'un des héros de la guerre d'indépendance d'Argentine? Et il y a 78 ans, 4000 Argentins ne choisirent-ils pas de s'engager pour les forces alliées, contribuant ainsi à reconquérir la liberté de la France et de l'Europe? Quant aux troupes qui débarquèrent ici en Provence, il y a 78 ans, il y avait parmi elles, en effet, Pierre Welch, qui s'est vu remettre il y a quelques semaines, vous le rappeliez aussi, les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Cher Pierre, vous êtes cet enfant de Couba, en Algérie, venu porter haut et fier le beau drapeau de la France entière, comme le chantait l'hymne de l'armée d'Afrique. En signant votre engagement, alors que vous n'aviez pas 18 ans, vous braviez l'interdit. Et sitôt débarqué au Canadel dans cette nuit du 14 au 15 août 1944, escaladant le Cap Nègre, vous n'avez jamais cessé d'avancer et de faire reculer l'ennemi, combattant des plages de Provence jusqu'aux confins de l'Allemagne. Votre parcours exemplaire, votre courage, votre humilité vous honore. Et aujourd'hui, comme hier, vous porte comme un exemple pour nous toutes et tous. Vous portez la mémoire de tous vos frères d'armes. Et j'ai en cet instant aussi un souvenir tout particulier pour l'un d'entre eux, Hubert Germain, qui fit partie de ce débarquement de Provence et nous a quittés il y a quelques mois, rejoignant la crypte du Mont-Valérien. Mais à l'heure où nous nous rassemblons pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé, que nous rendons hommage à des héros de notre histoire, je voudrais d'abord avoir quelques mots pour saluer le cœur et le courage de plusieurs braves de notre temps. Pour tous nos sapeurs-pompiers mobilisés en Corse, dans le Var, et sur tous les territoires alentours, comme l'ensemble du territoire national qui a pu être sinistré. Face aux incendies d'abord, puis aux orages, aux crues, aux inondations, nos soldats du feu, qui sont aussi nos soldats de l'eau, ainsi que tous les services de l'État et des collectivités, tant et tant de volontaires et de bénévoles, se sont mobilisés pour protéger. J'ai bien sûr aujourd'hui une pensée toute particulière pour ces drames qui ont frappé l'île de Beauté, la Corse, ses habitants, ses vacanciers. L'entière mobilisation de nos moyens de secours, l'activation immédiate de la cellule interministérielle de crise, la présence immédiate de notre ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ont permis de faire face à l'épreuve au plus vite et de venir en aide aux populations sinistrées et aux victimes. Mais je veux ici, avec vous, avoir une pensée pour
l'ensemble de celles et ceux qui ont perdu un proche, pour toute l'île, pour nos compatriotes et toutes celles et ceux qui ont été frappés. Je veux aussi avoir une pensée pour nos compatriotes et toutes celles et ceux qui, dans la région, ont été frappés aussi ces derniers jours par ces terribles orages et qui ont parfois beaucoup perdu. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été directement touchés. Là aussi, l'État sera là dans la fonction qui est la sienne, protégée dans la durée. Et ces terribles intempéries surviennent après une série d'incendies inédites dans notre pays. En Gironde, comme à quelques kilomètres d'ici, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile ont été mobilisés contre les flammes cet été. Ils ont tenu avec détermination durant des jours qui semblaient parfois sans fin, éclairés dès l'aube venue par un soleil de plomb et à la nuit tombée par ces imprévisibles brasiers si difficiles à éteindre. Ce combat, nos soldats du feu l'ont mené avec force, mais ils ont aussi été appuyés par une solidarité européenne magnifique. Et je souhaite ici remercier de tout cœur nos alliés allemands, grecs, polonais, roumains, autrichiens, italiens et suédois. L'Europe, c'est aussi cela, de manière très concrète. Ces pays voisins qui, par notre union, nous ont livré un matériel qui nous a permis d'arrêter, du Jura à la Gironde jusqu'au Var, les feux qui touchaient le sol national. Face aux flots comme face aux flammes, ces femmes et ces hommes prennent tous les risques. Le commandant Pascal Allaire et le lieutenant Martial Morin y ont perdu la vie. La nation s'incline face à leur sacrifice. Elle se tient à côté de leurs familles, comme de tous nos pompiers blessés et des populations sinistrées. Ces cataclysmes climatiques dévastateurs menacent, hélas, de se répéter et de s'intensifier. C'est pourquoi, non seulement ensemble, nous reconstruirons, nous replanterons, mais il nous appartient aussi de mieux entretenir, protéger, repenser nos systèmes d'alerte, nos règles de sécurité, l'organisation de nos forêts, c'est ce que nous ferons dès cette rentrée. Parmi les héros d'aujourd'hui auxquels je voulais également rendre hommage, il y a nos forces de sécurité intérieure, nos policiers, nos gendarmes, qui n'ont pas ménagé leur peine durant cet été, là aussi, pour protéger sur tous les théâtres d'opération votre quotidien et permettre la vie tranquille. Et enfin, je veux ici penser à nos soldats, nos armées. Terriens, marins, sous-mariniers, aviateurs, ils ont continué de se mobiliser sur tous les théâtres pour notre protection. Mais ils se sont en particulier mobilisés à l'est de notre Europe. Oui, depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février dernier, la guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen. Je m'entretenais encore il y a deux jours avec le président Zelensky et il y a quelques heures, ce matin même, avec le président Poutine, pour chercher à obtenir les indispensables engagements permettant d'assurer la sécurité en matière nucléaire sur le sol de l'Ukraine. Et je veux ici que nous ayons une pensée pour le peuple ukrainien qui résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs. Je veux ici redire ma profonde reconnaissance et la gratitude de toute la nation pour nos militaires qui assurent en ce moment même notre protection grâce aux différentes missions de réassurance, et en particulier nos militaires qui se sont déployés en quelques jours sur le sol roumain pour protéger notre flanc oriental, nos alliés, nos frères européens. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis. Et c'est là aussi le sens de notre présence ici. Raviver, comme chaque année, la flamme de la mémoire pour éclairer notre présent. Révéler à sa lueur les ombres qui nous guettent aujourd'hui. Et cette flamme, il nous faut attiser. C'est celle que portaient à travers la nuit les braves qui débarquèrent il y a 78 ans sur les plages du Var. Et c'est celle qui doit nous inspirer. Ces 350 000 soldats de la France libre, alliés, résistants de l'ombre et des maquis, qui avec les forces débarquées en Normandie prirent en étau
l'occupant pour délivrer la France de son joug assassin. Ces milliers d'hommes, parmi eux qui foulaient le sol de l'Hexagone pour la première fois, risquant leur vie pour une terre qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils soient spahis ou zouaves, tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers et tabors marocains, marsouins du Pacifique et des Antilles, nous leur devons tant. Certains n'avaient pas 20 ans, mais leur vaillance égalait déjà celle des soldats les plus aguerris. Et beaucoup tombèrent pour que la France puisse rester debout. Emmenée par le général Delattre de Tassigny, la célèbre armée B fut la première armée française à reprendre possession de nos terres après 4 armées d'occupation, frayant le chemin de la libération de la France par les Français eux-mêmes. Car oui, si le débarquement de Normandie fut si déterminant, décisif, il n'était qu'une poignée de Français. Ce commando prêt à débarquer, et les kiffeurs étaient en effet l'honneur de la France à venir sur notre sol. Mais ce débarquement de Provence, c'était l'opération menée par les Français de toutes les terres de France pour elles-mêmes. Attelage fier et bigarré, composé des soldats des forces françaises libres, de ces unités d'Afrique solidement équipées par les accords d'Anfa et qui avaient déjà prouvé leur valeur durant les âpres combats des fronts italiens et nord-africains. Cette équipée fantastique tenait tête avec panache, non seulement par les armes, mais par l'esprit. Au rétrécissement nationalisme, ethnique et impérialiste de l'Allemagne nazie. Ils avaient déjà vaincu, car ils savaient, comme un familier de ce département dont il fut l'élu, je pense bien sûr à Georges Clémenceau, avait coutume de dire, ils savaient qu'il ne suffisait pas d'être des héros, mais qu'il s'agissait d'être des vainqueurs. C'est ainsi qu'il y a 78 ans, le 15 août 1944, 70 jours après le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence commençait. À 3h30, dans la tiédeur de cette nuit d'été, les premières salves d'obus déchiraient le ciel, neutralisant un à un navire et avant-poste ennemi. À 4h30, tandis que les fantassins sont encore en mer, fondus dans les eaux noires de la Méditerranée, les parachutistes américains et anglais, sous les ordres du général Frédéric, déferlent sur les massifs des Maures et de l'Esterel pour s'assurer du contrôle des routes. À l'aube enfin, les premiers vaisseaux accostent par vagues. Une formidable armada, caparaçonnée par une infranchissable muraille aérienne qui fit qu'aucun navire ne fut coulé. À leur tête, des généraux d'exception. Delattre de Tassigny, Monsabert, Patch pour les Américains, premiers de cordée de cette chaîne de solidarité qui soudait entre elles les nations du monde libre. Oui, il y a 78 ans. Ces chefs d'exception transformèrent ces milliers de soldats sortis de la nuit en une nuée d'étincelles jaillissant de la mer pour inventer un nouvel été. En quelques minutes, l'incessant grésillement des cigales est englouti sous le crépitement de la mitraille. En quelques jours, Bormes-les-Mimosas est libérée grâce au concours des sapeurs forestiers qui pavèrent la voie aux commandos d'Afrique, foulant ce gravier où nous nous trouvons pour en faire une terre de liberté. En quelques semaines, les villes du sud-est sont délivrées avec une avance considérable sur le calendrier prévu. Le 27 et le 28 août, Toulon et Marseille battent de nouveau pavillon tricolore. Et le 12 septembre 1944, en Bourgogne, la remontée du Rhône s'achève par la jonction décisive des forces débarquées de Provence avec celles venues de Normandie, prélude aux ultimes combats du front ouest. Car sans le débarquement du 15 août, le souffle de celui du 6 juin serait peut-être retombé aux frontières du Rhin. Sans l'armée de l'ombre, sans les réfractaires du STO venus prêter main forte aux maquisards du Var, fournissant un appui décisif aux forces alliées depuis les hauteurs de Bormes et le massif des Maures, peut-être les armées de Provence n'auraient-elles pas dépassé le Rhône. Sans toutes ces femmes intrépides qui, dans tout le Var, à Istres et à Marseille, organisèrent des manifestations pour scander leur détestation de la politique de Vichy, vouant aux gémonies Pétain, ses séides et ses sbires, pour préparer l'insurrection nationale. Peut-être moins d'hommes auraient-ils pris les armes pour contribuer à la libération de leur pays. Ce qui est certain, en tout cas,
c'est que sans celles et ceux qui combattirent pour la liberté au péril de leur vie. Venus de l'Hexagone, des Outre-mer, de l'Algérie, du Sénégal et d'ailleurs en Afrique, des autres rives de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée, nous ne serions pas là pour nous souvenir ensemble. Nous souvenir ensemble de ces fiers cuirassés, croiseurs, contre-torpilleurs et avisaux doux, comme Delattre en fit le récit, résonna la Marseillaise la plus poignante qu'on ait jamais entendue, entonnée par le cœur immense que composaient toutes nos forces combattantes. Nous souvenir ensemble de l'assaut décisif, de la falaise du Cap Nègre comme des combats des îles d'hier, qui frayèrent la voie au débarquement à Pamplonne et Cavalaire, à Nartel et Valdesquière, à Antéor et Dramont. Nous souvenir ensemble aussi du destin funeste du groupe naval d'assaut, décimé par un champ de mines entre Treillas et Théoule. Alors oui, aujourd'hui, au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Souvenons-nous des combattants de l'été 44, des leçons de courage qu'ils nous ont léguées, de la soif de liberté et de l'esprit de fraternité qui les animait, de la concorde qu'ils ont fait prévaloir sur toutes les différences d'origine, de religion, de couleur de peau ou de classe sociale. Pas simplement pour le souvenir, mais pour l'exemple, pour raviver cette flamme et retrouver le sens profond de ces combats. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés au sein des peuples de la liberté, soldats et civils, femmes et hommes, français et étrangers, résistants de la première heure comme simples habitants qui cachèrent un soldat le temps que l'ennemi passe son chemin, tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays et notre liberté. Alliance sacrée, c'est bien cela. Alors en prononçant ces mots, je pense évidemment à cet archipel de fraternité qui aujourd'hui aide l'Ukraine à résister à son assaillant. Je pense à tous ceux qui servent nos couleurs et dont certains se tiennent devant moi ce jour. Nos élus au front de la République, nos forces de sécurité, militaires et policiers, au front des guerres ou du quotidien, nos soignants sur le front des hôpitaux et bien sûr nos pompiers sur celui des flammes. Je pense aussi à notre Europe et à notre France. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener. C'est pourquoi 78 ans après, nous restons fidèles à la mémoire de ces combattants, car nous sommes devenus, grâce à eux, grâce à l'Europe, une nation de paix et de liberté. Soyons dignes de cette histoire et soyons aussi exigeants avec nous-mêmes que nous sommes fiers d'eux. Vive la République et vive la France. Thank you.
allez bien? Très bien. Merci d'être là, fidèle au poste, pour notre patriotique. Je viens de Paris exprès. Si vous l'avez dit l'année dernière. Merci à vous. Merci. Allez bien. C'est normal, il ne reste plus beaucoup. Donc. Et Pierre, mais il est seul au Maroc. Oui, c'est vrai. Mais... Non, c'est pas... Merci. Pour moi, je vous remercie d'abord le cas. Et depuis 5 ans, vous venez le rendre hommage au commando. Et vous avez... il fallait que vous fassiez partie des commandos. Alors, je vous remets le diplôme d'honneur des commandos d'Afrique. Oh, c'est... Avec notre médaille, notre insigne. Le même insigne que je porte. Oh, merci, je porte il faudra la porter. Vous pouvez compter sur moi. Regardez, on va faire une photo. Voilà. C'est adorable. Ça me touche infiniment. C'est moi qui vous remercie. Ça fait 5 ans que vous venez. J'ai promis qu'on fera une photo avec votre famille. On va prendre la visette tout à l'heure. On va prendre la visette comme d'habitude. D'accord. Mais j'ai compris que c'était la recette de longévité. On ne pouvait pas faire autrement. Ah, c'est la première fois que vous savez qu'il y a une université de France. Voilà. Qui vit à Ouistreham. Oui. Ah oui. Qui est un homme formidable. Ouais. Qui est... Je pensais que le dernier était. Non, je vous mettrai bien en contact avec lui. Parce qu'il est un homme d'une humilité extraordinaire. Ah oui. Ça me rappelle. Il sort chaque jour, il fait la digue. Ah, d'accord. Et il était un breton, mais il a débarqué à Ouistreham, il est resté à Ouistreham. Ah, bon ah bah ouais. Je vous mettrai en relation. Un breton ou ça. Oui, quel merde. Quel merde. Pour moi et pour l'argent. C'est un vrai témoignage. Des liens d'amitié historiques. Une amitié fraternelle, s'il vous plaît. Impossible. Le président et son épouse. Avec choix. Nous l'avons vu en Bavière. Vous savez que Borges ne m'écoute pas. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Mesdames, je vous ai vu déjà. Bonjour, monsieur. Dames. Tout va bien ? Monsieur le Président, je voulais vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait pour les gendarmes, pour les policiers municipaux, les élus, les sapeurs-pompiers du Var, lors de l'aide de la sécurité intérieure. On ne va pas lâcher eux, mais c'était vous avez bien contribué. Vous contribuez. Et c'était par cet intermédiaire que j'avais contacté Frédéric, donc je vous en remercie, monsieur le Président. Non, non, merci à vous. Pour tout, je suis très heureux de vous revoir ici. C'est moi très heureux de vous parler. Vous allez bien ? Ça va bien. Monsieur le Président, Henri Mourtois, lieutenant Govel d'Armée Terre, en retraite au Nord. Très bien, vous connaissez bien, enchanté. Depuis 12 ans. Vous avez bien raison, c'est un pays de cocagne. Merci, monsieur le Président. Merci, mon président. Merci aussi. Nous sommes décédés. Il a fait l'AVC 15 jours après la cérémonie. L'année dernière ? C'est la vie. C'est vous, vous êtes là. Toujours heureux de vous voir. Monsieur le Président, on meurt. Il y a peut-être Frédéric Yuri, chef du centre de secours de Bourmelon. On se compte de la place plus fort actuellement. Merci de vous avoir regardé. Ça doit être fait. Comment ça va, Soane ? Madame la députée, je t'aperçois là. Ça va ? Je suis touché que cela. Comment allez-vous ?
J'ai toujours le rendez-vous. Oui. C'est important. Oui. Ça me fait chier. Si je ne viens pas, vous savez, ça... Il a raison. Oui, il a raison. Je le sors. Merci beaucoup aux enfants. Tu as quel âge, toi ? 15 ans. Ah, j'arrive, je vais vous voir, bien sûr, Chantal, ne vous inquiétez pas. Il y a le monsieur aussi. Oui, on va vous voir. Je suis très content. 15 ans. 15 ans. Et tu mesures combien ? 1m93. 15 ans.